Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4. Ça fait un bail que j'ai pas joué. Donc là, on va s'amuser. Je vais tenter un achievement que j'ai envie de réaliser depuis un certain temps, voire un temps certain, qui va nous faire jouer avec les QBNI, alias le pape, pour essayer de réaliser l'achievement Holy Trinity. Donc Holy Trinity, c'est quoi? Faut contrôler Jérusalem. Ouais. Faut avoir les Knights qui sont je sais plus où par là en vassaux. Ouais, ça c'est easy peasy. Un peu plus dur, faut avoir l'ordre teutonique, en marche plutôt, et l'ordre de Livonie. Donc concrètement, c'est bonjour, je suis le pape, je vais te mettre sur la gueule là-bas. Donc ça, je sais pas. Enfin, on va se pencher dessus, j'ai même pas regardé de vidéo, je sais même pas si c'est jouable, donc on va y aller pour le fun, quoi. Sachant qu'en ennemi, on va voir l'Ottoman, faut qu'on s'allie avec la France et l'Autriche si on peut. Enfin bref, ça va plus pour notre gueule, parce que s'étendre vers le nord, c'est le Saint-Empire. Mais on ira gober le Saint-Empire plus tard. Donc hop, je suis pas sûr de réussir l'achievement. J'ai jamais joué. J'ai jamais joué les étapes à peau. Donc je vais dans l'inconnu, mais quelque chose de sévère. Donc hop. Yo, au plat, comme diraient les Suisses, je crois. Ok. Ça charge, ça charge. Ah, on va peut-être réarrêter l'encodage. Hop. Cela prend un petit peu de temps. Donc là, on va avoir le putain de lag de début de partie. Ça va piquer les oreilles. Donc ok, on est là. On a Urbino en vassal. Ensuite, on va regarder vite fait les cartes. Le Saint-Empire, ouais, tout ça c'est là. Ça en bas, ça appartient, c'est à Naples, non, non, c'est l'Espagne, on peut pas y aller. Ok, les relations diplomatiques. Qui c'est qui me kiffe? La France. Qui la France a-t-elle mis en rival? L'Autriche, l'Angleterre. Moi, c'est vrai que l'Autriche, ça pourrait le faire en allié. Ben, l'Autriche me kiffe, j'ai l'impression. Ah bon? Ok. La France m'aime bien. Donc déjà, la France, on va améliorer les relations. L'Autriche, on va améliorer les relations. Voilà, on va améliorer les relations avec les deux. Ensuite, passer de rivaux. Qui ne m'aime pas? La Bourgogne, enfin l'Autriche. Qui a l'Autriche en... Ah voyons, il y a qui? L'Aragon, l'Ottoman. L'Aragon, donc on va mettre l'Aragon en rival. L'Aragon, Bourgogne. Aragon, Bourgogne, Ottoman, je vais mettre. Donc, l'Aragon. Bourgogne. Et l'Ottoman. Je peux pas mettre l'Ottoman en rival. Ah ouais, super. L'Autriche, Savoie, Pologne, Ottoman. Savoie, Pologne, Ottoman. Merde. Savoie, Pologne, Ottoman. Donc là, Savoie. La Savoie, voilà. On va mettre ça en rivaux. Ensuite, les conseillers, on va prendre... Est-ce qu'on a des thunes au moins? 3,19. Le conseiller vaut combien? Le conseiller... Ouais, bon, on va se prendre 3 conseillers niveau 1. Ah, c'est un théologien, ça, je crois. Un théologien. Que m'apportent mes idées au fait d'ailleurs, je suis en train de penser là. Aïe. Non, on va se prendre un National Tax Modifier. Ici en niveau 1, diplomatique réputation, ça me plaît bien.
Et le dernier. L'ordre de maintenance modifier, voilà. On a nos différents trucs. Ah oui, nos idées, qu'est-ce qu'on a en truc? On a nos premières idées, on a quoi? Discipline, oh putain, ouais. Diplomatique réputation plus 1, religious unity plus 25. Normal, on est le pape quoi. Tolérance of the true face, bonus de taxes, prestige, coût pour fabriquer, nain, production efficiency. Ouais, on est le pape quoi, merde. Ensuite, en décision, on a quoi? Declare the kingdom of God. Or, je crois qu'il faut contrôler toute l'Italie. Et voilà. Permanent claim, c'est ça, ouais, voilà. Ah ouais, donc ce sera, va falloir qu'on se fasse ça. Ok, mission. Qu'a-t-on comme mission? Incorporer Reclaiming Ferrara. Mais je crois que le problème de réclamer Ferrara, c'est que Ferrara fait partie du Saint-Empire. Donc ça, on va attendre un petit peu. On fera ça plus tard. Le rival de notre rival. Voilà. L'Autriche doit nous aimer. Ok, donc on va retourner ici. Ma flotte. Non. Hop. Tac, tac, tac. Ma flotte, elle va me faire du protéger le commerce. C'est la merde. Ah, gêne parce que regardez, on est partagé moitié à l'un, moitié à l'autre. Parce que je crois que ça gêne notre port. Notre. Non, on collecte tout. Ah, c'est là. Ah, gêne, voilà. Ouais. Les armées, voilà. Bon, bah voilà, ça se passe plutôt bien. Enfin, en même temps. Et on va passer directement, soyons fous, vitesse 5. Qui j'ai en voisin? Naples. Ouais, ça, j'ai pas envie de me faire pote. Ah, Milan, ça pourrait être pas mal. On ira les défoncer plus tard. Et surtout Venise, voilà. Allez hop. On spotifie avec tout le monde. Ouais. Bon, voilà, faites vos alliances. Nous, on va compter les points. Est-ce que l'Autriche, tu t'allierais avec mon riz? Non, est-ce que la France, tu t'allierais avec moi? La France s'allierait avec moi. L'Autriche. Ouais. L'Autriche. On est amical avec toi. Et la France, on est amical avec toi. La Provence. Ah, limite la Provence. Est-ce qu'on peut... On va le rappeler, le Pécor, et on va faire un spy network en Provence pour être chopé, essayer de choper Provence et Draguignan. Ouais, ce serait pas mal ça. Ok, là, c'était quoi ma mission? Oui, être... Oh putain, j'ai pas vu ça. On perd des pépettes, donc on va baisser l'entretien de l'armée. Voilà. La France, il me kiffe. L'Autriche,
qu'il faut fumer un peu moins, ça va monter. Ok, donc là on monte, on fabrique, on s'occupe. Est-ce que si je remets ça, ça va faire ramer le jeu? Bon, ça va passer correctement encore. Ouais, non, si, je vais arrêter l'encodage parce que ça fait vraiment ramer le pauvre PC. Hop. Ouais. Que je regarde un truc. Est-ce que je peux voir qui ne m'aime pas? Je sais plus où c'est. Mes relations de moi. Ah, je peux excommunier la... Est-ce que je peux excommunier la Bourgogne? Papa l'actionne. Excommunier... Ah, bah tiens, on va excommunier tout ce que j'aime pas. On excommunie... Hop, ensuite, qui ne m'aime pas? On va excommunier tout ce qui m'aime pas. Tu m'aimes pas, je t'excommunie. La Savoie. Ah, on peut en excommunier qu'une personne tous les 3 ans. Moi, dommage. Non. Je pourrais excommunier la Provence? Ah, cool. Je t'excommunierai toi dans 3 ans. C'est marrant ça, la Bourgogne. Allez, hop. Soyons fous, excommunions. Milan. Ok. Tranquille, la Hongrie, les mecs, ils clément en cône. Mais vous êtes fous! Mais ils sont fous! Ouais. Putain, encore! Bon, là, faut attendre que tout ça, ça se barre du Saint-Empire et après, je pourrais mettre des baffes. Est-ce qu'on peut appeler une croisade contre l'Empire Ottoman? On verra. Là, on va attendre de monter à 100 en relation avec le... Je dirais que la Grèce, non, avec l'Autriche. Du prestige, du diplomatic power. Ouais, ça va être bien ça. J'ai même pas regardé combien de points j'avais. 5, 5, 6. Bon, je vous dirai, on est bien pour l'instant. Les premiers, comme d'hab, on va le mettre en militaire. Voilà, très bien. Mission. Réclamer Ferrara, incorporer Urbino. Améliorer les relations avec Sienne. Ok, donc lui... Là, ici, on va proposer une alliance. Ah, nickel, la France. La France aussi. Alors là, on est bien. Et ensuite, on a dit Sienne. On va améliorer les relations avec lui. Hop. Ah bah voilà, allié avec la France et l'Autriche. Ah, voyons, tac, tac, tac.
9 régiments de paysans qui pop à Umbri. On va mettre. Ah non, pourquoi je peux pas mettre le pape? C'est nul ça! On va rebasculer l'entretien au taquet. On va leur dire allez vous faire têter les yeux. Ah! Les estates. Toi, donne-moi du diplomatique support. Toi, tu me donnes de l'administratif support. Et toi, tu me demandes voilà. Toi, je te donne les monopolies. Toi, je te fais un petit don. Et toi, j'appelle la diète. Et là, voilà, on les fait péter. Umbria qui va arriver. Voilà, parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on fait tout de suite dans la foulée? On remet la maintenance de l'armée. Pas à zéro, mais pas loin. On enlève la pause. Et ça se passe bien. Ensuite, les Pécores ont fabriqué une claim sur Draguignan. C'est quel développement? On va faire en priorité sur la Provence. Ouais. Ouais, bon, on va faire ça. Il va me kiffer, Cologne. Si vous voulez, les gars, faites-vous plaisir. Hop. Là, ça monte. Armée organiseur, ouais. Ah, je crois que c'est lui. Non, c'est bon, on s'en fout. On s'en fout, on n'a pas de fort. La Hollande qui fait un... Ouais. Ensuite, on va regarder vite fait ce qui se passe. C'est calme. C'est très très calme. C'est trop trop calme. Est-ce que là... Ouais, on va augmenter un petit peu. Après, je vous dis, on n'est pas à la minute, donc on va hop tout fusionner. Sera moins cher à améliorer, enfin à renforcer. Là, on continue de monter notre réputation, enfin notre relation avec la France et l'Autriche. La Hongrie, je crois même qu'on on s'aime pas. Je vous dirais, c'est pas grave. La Bourgogne. Ce qui me ferait, c'est une France puissante. Parce que tout à l'heure, quand on va se taper sur la gueule, à mettre sur la gueule de la Pologne. Comment il fait l'Ordre Teutonique? L'Ordre Teutonique, en taille, il fait 158, ouais. Et l'Ordre de Livonie, 93. Donc lui, je pourrais le vassaliser. Les chevaliers, ils sont garantis par Venise. Est-ce que je pourrais offrir alliance? Pourquoi? Je pourrais les allier et les vassaliser après. Ah, on est trop loin. C'est vrai qu'il voudra pas à cause de ça. Oh, Byzance qui est en train de tenir contre l'Ottoman. Hop. Bon, là ça passe plus. Bon, c'est le début de partie, hein, c'est comme d'hab, hein, comme tout le jeu paradoxe. C'est bien, c'est cool, mais putain, ce que c'est calme. Donc là, l'épisode va faire bientôt ding-ding dans 15 secondes. Donc voilà, on a commencé à se préparer. On est déjà allé, bon, je dirais avec la France et l'Autriche. Comme ça évitera qu'on s'en prenne plein la gueule. Donc si on se fait attaquer, on est tranquille. On rappelle le diplomate.
Ok, et Sienne, si je voulais en faire mon vassal. Ouais, c'est le 75 qui me fout dedans, quoi. Ok, bon, bah, on va arrêter l'épisode là. Donc, sur ce, je vous dis bah, bye bye et bah, à demain pour la suite de la série. Allez.